Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 10 mars 2017, je vais parler un tout petit peu du MOOC qui est disponible sur funmook.fr. Donc Funmook, en fait, c'est une plateforme de... Comment? Je ne sais même plus ce que c'est qu'un MOOC. Désolé. Là, j'ai l'air bien con. Wiki MOOC, c'est une abréviation, hein, ça veut dire cours à distance, formation à distance, Massive Open Online Course, voilà. Hein, donc un cours à distance. J'ai l'air un peu con là de parler d'un MOOC sans savoir ce que c'est. Bref, et donc vous voyez, c'est un cours, on peut faire des cours en ligne. Donc c'est assez sympa. Et moi, je m'étais inscrit au MOOC qui s'appelle, donc à la formation, l'essentiel pour maîtriser Linux, voilà. Donc le MOOC, l'essentiel pour maîtriser Linux, est une cette édition est la première sur la plateforme FUN, voilà. Donc, en gros, c'est un cours, une formation à distance pour apprendre à maîtriser Linux. Alors, moi, vous allez me dire, j'ai peut-être pas forcément besoin de ce genre de truc. Mais je me suis inscrit pour savoir un petit peu ce qu'un cours pour débutants, pour apprendre à maîtriser Linux peut vous offrir. Et surtout, vu que je fais partie d'un GUL, hein, donc d'un groupe d'utilisateurs de logiciels libres sur Dijon, souvent on a les mêmes questions qui reviennent chez les débutants. Et donc, voilà, ça peut me donner une piste pour savoir par quel bout aborder Linux, entre guillemets. Donc voilà, ce MOOC peut intéresser un large public qui veut migrer vers Linux, une population d'étudiants, blablabla, tout professionnel travaillant dans le domaine de l'informatique. Bon, alors je me suis dit, on va tester. Donc il y a tout le programme, blablabla, donc je vous passe le truc. Et donc, voilà, le programme c'est ça, semaine 0, découverte, semaine 1, donc on en est là, communauté Linux et carrière dans le logiciel libre. Donc ça c'est le truc à mon avis qui va moins me passionner. Semaine 2, base du système Linux, pouvoir de la ligne de commande, système d'exploitation Linux, sécurité et droit d'accès aux fichiers, et semaine de révision, et après un examen final. Donc ça, je trouve que c'est intéressant pour voir un peu comment aborder de manière simple Linux, et puis de réviser des petits trucs, apprendre des petites choses. Bon. Donc là, la semaine 1 a débuté. Donc, évolution de Linux et majeure distribution. Bon, ok, vous avez des petites vidéos, hein, je vous montre. Donc, vous avez des petites vidéos, c'est vraiment sympa. C'est bien foutu. Voilà. Vous avez des vidéos sous forme de... Vous avez votre prof virtuel qui est ici, hein, et puis après, il déroule le cours, voilà, en expliquant... bla, bla, bla. Bon. Et après, vous avez des quiz. Vous avez des quiz, donc là, voilà, sur la vidéo, où vous pouvez répondre aux questions. Donc ça, c'est sympa. Mais je suis un petit peu déçu parce que... si vous voulez, là, bon, j'accepte les cookies. Voilà, il y a des trucs sympas. Quelles sont les principales distributions Linux? Bon, voilà. Là, c'est faux. Bon, au jour d'aujourd'hui, Mandrake n'existe plus. Et Mandriva non plus. Donc moi, je les enlève. Mais voilà. Pour avoir les bonnes réponses, il faut cocher Mandrake et Mandriva, bon, qui n'existent plus. Bon. Sachant que Mandrake et Mandriva, c'est les mêmes. Donc, pourquoi ils les mettent deux fois? C'est, voilà. C'est, des fois, les questions sont un peu tordues. Et alors, dans le laboratoire, alors là, c'est bien fait, mais, voilà, je vais pousser quand même une petite gueulante, parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Je suis toujours plutôt quelqu'un qui est toujours gentil, qui dit toujours du bien des trucs. Voilà, ici, vous voyez, on a des questions. Donc, juste avant de revenir là-dessus, dans la semaine 0 pour commencer, ici, on a une vidéo. Donc, moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin. Et oui, il nous montre aux débutants comment installer Ubuntu sur une machine virtuelle. Donc, télécharger VirtualBox, gna gna gna, voilà. Et installer Ubuntu. Donc, ils installent Ubuntu. Notez bien ça. J'ai rien contre Ubuntu, hein, mais. Ça va prendre son importance. Parce que regardez ici. Question 1. Basculer sur l'interface en ligne de commande avec CTRL-ALT F3. Parfait. Et ouvrir une session root. Donc déjà, on est sur Ubuntu. On n'a pas par défaut le mot de passe root. Et nous demande d'ouvrir une session root. Comment on fait? En tenant compte de votre mot de passe que vous avez attribué au compte root au moment de l'installation.
Ubuntu ne demande pas le mot de passe du compte route. Donc, bon, moi je passe, je réponds à la question. Bah, quand on ouvre une session en route, donc je le fais là, hein, mais peu importe. Voilà, je vais vous grossir le truc. Voilà, on voit quoi ? On voit un dollar, un dièse, pardon. Un croisillon, comme diraient nos amis canadiens. Eh bien, si on répond croisillon, c'est pas bon. Donc, où est le piège ? Donc le piège, à mon avis, c'est que c'est comme au bac, c'est comme dans n'importe quel examen, ou un simple contrôle quand j'étais en seconde, première, terminale, peu importe. Il y a des coquilles dans les questions. Donc ici, la bonne réponse, si vous cochez donc dollar, voilà, affichez la réponse. Hop, voilà, ça marche. Donc visiblement, c'est ouvrir une session en mode utilisateur en temps et entrer le mot de passe que vous avez attribué au compte utilisateur. Donc là, première coquille, bon. Ensuite, bon, on a des questions, je m'attarde pas dessus. Question 4. En testant les commandes suivantes, laquelle indiquer quelle est celle qui permet d'identifier l'utilisateur courant. Moi, pouf, who am I? Vous êtes d'accord avec moi? Who am I? Ok. Donc, je me déconnecte de là. Who am I? Je suis qui? Adrien, PTS2. Connecté à 21h21. Ben, c'est faux. Alors, c'est vrai que ID fonctionne aussi. On voit qui on est. Son groupe. Ses groupes. Alors, quelle est celle qui permet d'identifier l'utilisateur courant? Identifier, c'est quoi? C'est le nom ou le nom et les groupes? La question est ambiguë. Alors, peut-être que le « Who am I ?» il est valide dans le sens où si là, je suis utilisateur, j'ouvre une session en route, je vous montre le truc, hein, et là, je tape « ID », je suis bien route avec les groupes route. Par contre, si je tape who am I, effectivement, je suis Adrien. Parce que c'est Adrien qui a ouvert la console. Mais si on ouvre une console directement en route, voilà, et qu'on tape who am I, bah là, on est vraiment route. Donc, voilà. Vous voyez le. Donc, c'est vrai qu'un débutant, bon, il va se dire ok, c'est ID. Mais je trouve que certaines questions, voilà, sont un peu brouillon. Puis vous voyez là, on la retrouve ici, hein, la basculer sur une autre console textuelle avec contrôle Alt-F4 et ouvrir une session route. Là, on rouvre une session route, là. Vous voyez. Donc, je trouve que, bon, le truc est bien fait. C'est ludique pour apprendre, mais il y a des coquilles dans les questions. Donc, moi, je vais continuer de suivre ce MOOC, hein, pour prendre des notes, pour regarder un petit peu comment c'est abordé, de manière à ce que si on a besoin de refaire une session accélérée de 3 heures lors d'un atelier à notre GUL, eh ben, que je sache dans quel ordre faire et quel point aborder, parce que je pense que FunMOOC abordera des points plus sympas que si moi j'essayais de faire un cours ou d'essayer d'aborder les questions auprès des débutants. Voilà, donc si vous vous étiez pas inscrit, je sais pas si vous pouvez vous inscrire en cours de route, mais le MOOC s'appelle l'essentiel pour maîtriser Linux sur funmook.fr. Si vous faites partie de ce MOOC ou si vous le suivez, eh ben, je suis curieux d'avoir vos réactions dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Et puis voilà, mais en tout cas c'est ce que je pense pour le moment de FunMOOC, c'est que ben ça manque un petit peu de relecture au niveau des questionnaires, parce qu'il y a des questions qui sont un peu brouillons et c'est dommage quoi. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo assez atypique vous aura plu, puisque je vous montre quelque chose que je suis, hein. Et voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.